C'est le nouvel an. C'est la nouvelle année pour nous. C'est small boy. That's your boy. C'est le nouveau mari officiel de Nicole. Canular. C'est son petit cousin machin. Donc je l'ai recueilli, sortait du débarcadère. Elle m'a dit Nicole, c'est mon cousin. Prends un soin. Merde, on voit plus rien. Yes. It's me and my crew. We got out of the movie. Mr. Did you like the movie? Yes, no. T'as pas aimé le film? No. Ah, moi j'ai pas liké du tout. Ah ouais? Good actor, but not good scénario. Pas bon movie. Non, pas bon movie. Vous avez aimé le film? Non. Mais faites juste ça, franchement. C'était vraiment la catastrophe. Ah, d'accord. Ouais, comme ça. T'as des poufs? T'as aimé le film? Non, c'était nul. Okay. T'as aimé le film? Pas de caméra là. Bon interview, là. Allez, j'en ai marre là. Mais t'as aimé le film ou pas? T'as aimé le film? J'ai un petit peu dormi. Oh merde. T'as aimé le film? Toi? T'as aimé le film? Arrête. T'as aimé le film? Non, j'ai détesté. Si, j'ai adoré à toi. T'as aimé le film? Toi, tu me filmes pas, excuse-moi, j'ai des droits. Tu floutes mon visage ou pas? T'as aimé le film? Tu floutes mon visage ou pas? Tu veux chanter un morceau en autotune? Vas-y. Moi, je te floute ton visage. Tu veux chanter un morceau en autotune? Non. Ah ouais, non, t'as vu tout le monde. Vas-y. C'est quoi le morceau de traitement? Ça change. Au noir. Fait... Moi j'ai dit que je veux de l'oseille, de l'oseille. C'est bien que la barbe comme ça, Audran. Audran, que penses-tu des mecs qui disent 1 million de mensonges pour niquer des meufs et qu'après, dès qu'ils les ont niqués, ils partent comme des bâtards? Je pense que c'est tout un art. Je pense que c'est tout un art et que. C'est des salauds. Attends, je ça mange. Ouais, non. C'est tout un art. Tiens, ça mange. Attends. Ouais, c'est un art. Non, c'est tout un art et parce qu'il faut trouver des mythos chaque fois différents. Déjà, c'est compliqué. Des histoires qui sont crédibles. Et plus c'est gros, plus c'est crédible. Mais comment ne pas se faire griller? Alors là, je pense qu'il faut que tu te dises cela que tu as fait les cartes du film Scarface. Comment ne pas se faire être le plus naturel possible. D'accord. Le plus sincère. Mais toi, t'es pas comme ça. Bah non. Okay. Et toi, que penses-tu des mecs qui racontent plein de mythos pour pouvoir niquer des meufs et qu'après ils se barrent dès qu'ils les ont niqués? Ces mecs-là, je les connais pas, je suis pas de ce type-là, ouais. Je suis pas ça. Ouais. Pourquoi t'as l'air nerveux? Et toi, que penses-tu des mecs qui racontent tout un tas de mythos pour pouvoir niquer des meufs et après il est lard comme des bâtards? J'en connais pas. T'en connais pas? J'ai jamais vu ce genre mais de mais je veux dire, si t'en rencontrais un, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, continue mon gars, tu tiens le bon bout. Et toi, que penses-tu des mecs... Que penses-tu des mecs qui racontent plein de mythos pour... Que penses-tu des meufs qui racontent plein de mythos pour qu'on tombe amoureux d'elles et après elles inventent d'autres mythos pour disparaître? Sale pute, oui. Pas toi. On dirait qu'il m'a insulté moi. Non, pas toi, mais non, jamais. Je suis pas comme ça. Bah non, sinon il aurait pas dit sale pute, il aurait dit grosse pute. Oh, quel con. Et toi, que penses-tu des mecs qui racontent tout un tas de mythos pour pouvoir niquer des meufs et une fois qu'ils ont niqué, ils se cassent comme des bâtards? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Ouais. C'est des bâtards, écoute. Hein? C'est des bâtards. C'est des bâtards, t'en as déjà rencontré? Non. Écoute. Après, tu restes totalement. Je vais te montrer un nombre de mecs. Dans tous les mecs qu'il y a là, tu penses qu'il y en a combien des mecs comme ça? Au moins un. Non, ils sont tous comme ça. Au moins un? Est-ce que tu peux m'en pointer un du doigt? Attends. T'inquiète pas, personne te verra. Pointe-en un du doigt. Je suis notre regard. D'accord, je suis ton regard. Attends, je regarde. La caméra ne regarde pas, mais vas-y, montre-moi ton regard. Où ça? Qui, moi? Non, moi jamais. Où ça, alors vas-y. Où est ton regard? Vas-y. Je parle des mecs qui font plaisir. Il y en a. Tu penses que tous ces mecs sont des salauds? Il y en a au moins un. Il y en a au moins un? Ouais. Maintenant, ils sont 1, 2, 3. Ah, il y en a un qui arrive. Est-ce que je t'ai niqué par exemple? C'est simple, hein. Il y en a plein qui rêvent, mais il y en a plein qui fantasment sur Audran, le connard. Mais pas d'abord. Voilà, c'est tu blaires.
Attends. Et que penses-tu des meufs qui racontent tout un tas de mythos pour se faire passer pour ce qu'elles sont pas et après elles font d'autres mythos Ah, ça, je pense. Ça, c'est une autographie, ça. Ouais. Hein, c'est qu'est-ce t'en penses, ouais. Qu'est-ce t'en penses de ces connasses? C'est ce que j'en pense. Non, l'important, je pense, dans les relations hommes-femmes, c'est d'être franc. Que ouais. T'as envie de, c'est tout. À partir du moment où tu as envie de canne et que la personne en face a envie de canne aussi, tout va bien. Mais pourquoi elle te... Je sais pas. Non, mais j'ai... Attends. Ouais. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait? T'en as pensé? Non, à partir du moment où t'es franc dans ce que tu veux ou dans ce que tu veux, ouais. Après, faut s'assumer. Je pense que si c'est un bâtard qui t'assume, tout va bien. Non. Et toi, tu fais partie de quoi? Moi, je suis perdu. Moi, je suis perdu. Es-tu un bâtard qui s'assume? Non, mais je sais même pas en fait. Non, mais je sais pas. Ah, le problème, c'est que moi, à chaque fois que j'ai une histoire, j'y crois. Et en fait, après, j'y crois très vite plus. C'est ça le truc. C'est que peu de temps avec qui je suis la personne. Est-ce que tu as envie de donner un message à des gens qui, avec qui tu aurais cru rapidement et après tu aurais plus cru? Et bah pardon, je suis désolé si j'ai fait souffrir du monde. Ouais. Voilà, c'est mes excuses. Apologize. Too late for that. Too late. Et non mais j'ai dû en faire souffrir certainement. Ouais. Désolé. Donc c'était bien. Mes ex, voilà. Est-ce que y a quelqu'un en particulier avec qui tu aimerais faire les choses différemment? Bon, tu sais, les questions, en fait. J'ai l'habitude de l'interview. Nicole, non? Non, j'ai... Qui j'ai fait souffrir? J'ai fait souffrir des gens que j'ai beaucoup aimés. Angélique, je l'ai fait souffrir. Mmh. Et je suis resté 2 ans, une plus grande relation. Et Linda aussi, qui est une fille très bien, mais ouais, j'ai fait aussi beaucoup souffrir. Après, il y en a plein d'autres que j'ai dû faire souffrir, mais que... Mais non, c'est pas que je m'en fous pas, c'est que... C'est que elle, oui, pour moi, j'ai pas l'impression. En fait. Donc, est-ce que tu penses que je vais te montrer un groupe d'hommes? J'aimerais que tu me pointes du doigt tous ceux que tu penses que c'est des enculés. Ah ouais, tu es en train de me dire. Vas-y, toi qui les connais tous. C'est très intéressant là. Ça devient très intéressant. Vas-y, montre. Allez, allons-y. Allons-y. Alors, lui, ok, d'accord. Lui, d'accord, ouais. Pourquoi moi? Lui. Ouais, oh ouais, lui c'est le pire des travelots. Ah oui, 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 oui. Et lui, ok. Ah. Non, mais non, il n'y a pas. Tout le monde est personne en fait. D'accord, tout le monde est personne. Ouais, c'est ça. Thomas, toi qui t'es fait griller récemment par Sarkozy, qu'est-ce que tu penses de. Des mecs qui sont passés pour des mecs amoureux, qui disent que genre, putain, je commence à te kiffer, et puis en vérité, ils niquent une autre meuf. Je vois pas de quoi tu parles, ça m'est jamais arrivé, donc je peux pas t'aider. Fais ça, par contre, je crois que ça a dû arriver, donc vas-y, champion. Donc, le film, c'est avec De Niro et Pacino. Non, je vois pas de quoi parler. Non, mais... Ah, par contre, il y a un spécialiste. Audran. Oui. Audran. Non, ça y est, il a confessé déjà. Il a confessé, il a tout dit, il a fait sa confession intime. Moi ? Merci, tu tiens l'appareil. Moi, je suis un garçon très sensible. Putain, j'ai niqué. Mais attends, j'arrive plus à te suivre là. Je suis un garçon super sensible. Mais en fait, je cherche l'amour au mauvais endroit. C'est-à-dire que quand elle m'aime pas, je kiffe à la mort et tout, et je fais tout pour elle et je me fais quitter. Quand elle me kiffe, qu'est-ce qu'elle me fout? C'est une galère. C'est une galère. Non, c'est vrai, c'est une galère. Et, je cherche la lumière. J'ai une ex qui m'a dit arrête de chercher la lumière et elle m'a donné une torche. Véridique. Voilà. Ému, trop d'émotions, c'était trop d'émotions.